What's up guys, c'est Mixpan, on se retrouve pour une autre vidéo de Jurassic World Again. Aujourd'hui, plein de choses. Un nouvel update qui s'en vient très bientôt, une nouvelle mise à jour. On va juste revenir sur ce type de... pas ceci, mais ce logo-là. Le parc aquatique va bientôt ouvrir. Donc c'est officiel, il va peut-être avoir des nouveaux dinosaures, le parc aquatique et... peut-être, je dis bien peut-être, level 65. On peut arrêter jusqu'au niveau 60, peut-être au niveau 65, mais je ne suis pas sûr pour le moment. Mais c'est tandis que ça va être sur la nouvelle mise à jour. Quand, mais c'est bientôt, ils ont dit avant, pendant les fêtes. Et si vous avez remarqué, dans la map, il n'y avait pas ça avant. Ben moi, j'ai jamais remarqué. Fait que peut-être on va rentrer ici, je dis peut-être, on va rentrer ça où que la grosse roche là ici, là. Moi je pointe mais vous le voyez pas. Peut-être que ça va être là la caverne spéciale. Donc, je dis peut-être, je sais pas, si je me trompe pas dans mes idées. On va ramasser un peu d'argent, donc ça va être cool. Une autre surprise, là vous voyez que j'ai rendu avec 2786 ADN. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que... on s'en fout. Il reste 4 jours, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un deuxième I-Rex. Eh oui, un Indominus Rex. Donc, on va avoir un deuxième qui arrive dans pas trop longtemps. Par contre, je vois pas l'accélérer à 1195 $. C'était 6 jours d'incubation, fait que... c'est long. On va faire les derniers combats. Il reste 9 heures. Je suis premier. Je suis toujours premier dans la tête du classement des Ligues des Chasseurs. Je veux vraiment finir dans la Ligue des Prédateurs. Donc, on va faire des quelques combats. On va prendre le même ping. Et c'est parti. Donc, puis la quête des batailles, on va faire ça une autre fois. Je veux juste vraiment terminer ces combats. Mais d'après moi, je suis pas sûr qu'il va y avoir un autre événement de bataille parce que à cause du parc aquatique souterrain. Je dis peut-être, mais je suis pas sûr parce que il y aura trop de choses. Fait que attendez-vous à avoir une grosse mise à jour qui va sortir. Bon, lui, il y a le Vélociraptor, un oiseau et un herbivore. Il va pas me tuer parce que en deuxième, j'ai mon amphibienne. Ça va pas tant mal. On va continuer avec ça. 6, aïe aïe. Lui, il a tout dépensé presque ses jetons. Je sais pas si vous entendez les sirènes, mais je suis désolé. Ah. J'avais donné une attaque, mais j'avais peur que j'irais le tuer, puis le pour ça, il aurait pris son. Oiseau, ben, c'est ça que je disais. On va changer. T'es mort. Lui, il peut me tuer. Il a pris 6. Un de tué. Là, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, il peut me tuer. Oh non.
pew. Parce que j'ai calculé 248, j'ai fait. C'est plus que 600. All-in sur ça. C'est quand même chaud, c'est. On a réussi à battre ces dinosaures-là. Je vais sûrement rester encore au niveau 1. Parce que le centième, il y avait quand même plus de points que moi que dans les prédateurs. J'espère que je vais pas bouger. Ah, je bouge! Ben, centième. Fait que c'est quand même close. Donc, j'espère rester dans le mode prédateur pour un paquet. Parce que là, je vous ai promis, c'était un échec l'autre fois avec l'autre événement. Je veux rester dans les prédateurs. Un jour on ira dans les dominants, mais pour le moment j'ai pas les dinosaures qu'il faut. Faut vraiment que je focus sur toutes les hybrides au complet. Mais on va en avoir des épisodes, j'arrêterai pas ça là. Donc qu'est-ce qu'on choisit dans la roue du prédateur? Donc on a ça ici, ok. C'est bon. Je suis où arrêter cliquer à peu près. Oh shit! Non! Non! De 1! Colin! C'est que. Je fais ça depuis un bail, un petit bail, depuis 3-4 jours. Je regarde les cartes, je calcule le nombre de carrés, et je calcule à peu près où que quand je clique où qui compte carrette, ok? J'ai cliqué comme le paquet légendaire qu'il y avait. Et. Ça fait 3-4 fois que ça arrête où que vous voyez. C'est le paquet du dinosaure, lui, le dernier dans le dominant. Faut toujours. Moi, je regarde affiler 3-4 fois de tourner. Après ça, je dis, bon, je vais arrêter ça là pour qu'il arrête dessus. Bref. Ça fait toujours ça, puis ça m'énerve. Maintenant, je vais aller voir le paquet. Là, j'étais à un doigt. Un doigt. Donc, on va créer un autre combat. On a éclairé mon adversaire. Oh, seigneur. J'ai un petit peu de la misère avec ça. Il pourrait me tuer avec son acide amphibienne à la fin. Il me tue. Merci. C'est plus dur dans le mode prédateur. Bon ben 1 contre 3, challenge time. Next. Il va-tu charger son dinosaure? Bon, qu'est-ce que tu en fais avec ton amphibienne? Ah, c'était brèche, mais je le tue. Ok, t'as un dinosaure très fort, avantagiste, et déclenche tout. Ça est arrivé une fois que je me suis fait tuer vraiment parce qu'il y avait 3 amphibiennes, je t'ai fait. Je vois pas rien faire. Donc, une victoire. Très facile avec le I-Rex. Mon prédateur. Bon, on va essayer le truc encore. On va regarder les paquets. Je vais vous montrer le truc. Vous regardez tous les paquets qui arrivent. Moi, je check les paquets de couleurs. C'est plus facile à guider. On va dire, ok, le paquet que vous cherchez, vous le spottez. Fait que moi, c'est déjà passé. On va regarder. Ok. Fait que c'est après le bleu. Il y a un bleu là. Et après, c'est un bleu là. Non, mais c'est après le bleu, puis t'arrêtes 3-4 clics.
Attends, je vais le faire. Non, j'ai cliqué comme trois auparavant. Ça varie pas tout le temps, genre des fois il arrête, puis il va plus vite ou moins vite. Bon, bref. On va essayer autre chose. D'autres ADN, ça va être parfait. J'ai d'autres fusions que je peux vous faire. Le Spino. Ouais. Est-ce que je fais le Spino Raptor? Est-ce que je le fais? Est-ce que ça vaut la peine? C'est ça la question. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Fait que, écrivez des commentaires si vous voulez que je fasse le Spino Raptor. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de le faire? Moi, à la date, qu'est-ce que je veux dans les hybrides, et puis le plus important pour moi, parce que là, je me fais toujours clencher, c'est... Lui, le Coulosaurus fusionné. Donc, ça prend le Coulosaurus, c'est ça? Niveau 40, j'ai dit au niveau 30, et l'autre au niveau 40. Par contre, lui, du niveau 40 légendaire, il est ici, je pense, c'est lui, non? Ouais, lui. Ça coûte quand même 3050 ADN, fait que je sais pas combien faut que ça en prend pour en faire. T'as pu j'ai un niveau 20, 2, 10, ça fait 6100. Pour 2, ça fait, niveau, fait que 2 niveau 20, 2 niveau 30. Fait que, t'as pu ça, une autre fois, ça fait un autre niveau 20. Ça va même coûter plus cher, assez cher, merci. Presque 30 000 ADN. Bref, à moins que je le gagne dans le paquet, j'espère bien. Donc, on va retourner dans les défis. On va faire un dernier. J'ai un lucky, lui. Il n'y a pas beaucoup d'attaques, mais il y a beaucoup de vie pour un légendaire, pour un imbruvant. Je pense au niveau 40, il y a beaucoup de vie, mais il attaque pas fort. Je pense qu'il attaque des 200 au niveau 40, 240. Je ne sais plus, peut-être que je dis des bêtises, mais je sais que je me suis déjà un joueur qui avait ça, puis j'étais comme, en fait, c'est bon, il y a de la vie. Donc, j'espère prier qu'il n'y ait pas de maudit amphibien de l'autre bord, parce que c'est vraiment le dead pour moi. Il y en a un, pis c'est au début. Le reste, c'est des herbivores. Ça va être dur. Ah oui, après ce combat-là, je veux juste vous montrer quelque chose. Ben, c'est pas vous montrer, plus vous expliquer, ça tente pas d'expliquer là, je vais être très concentré. Ben là, je suis dans la merde. Comme je disais, abonné tout de suite. Oh. Quelqu'un est un amphibienne, surtout, ça va pas bien. Bref, je ferai pas les autres combats parce qu'ils sont trop faibles, ces dinosaures-là. Faudrait que j'ai pige ou j'ai gagne dans les jeux de roulette. Mais attendez, il reste combien de temps? 3h, 4h. Bon, je vais juste baisser jusqu'au niveau 100 parce que c'est très de la misère. C'est vraiment serré. Mais je vous garantis d'ici ce soir, pour moi, parce que je tourne, il reste 9h30. De toute façon, moi, c'est enregistré. On est dimanche. Lundi, vous aurez lundi que vous écoutez en ce moment, c'est l'épisode qui sort. Mais sûrement, la nouvelle mise à jour peut-être apparue. Peut-être qu'il y a autre chose qui apparaît. Je sais pas. Mais pour le Hyrex, j'ai dû vendre plutôt un dinosaure, ça m'a reporté à 2600 DN, c'est le Parosaur. Il ne savait à rien, il était beau, mais c'était inutile. Donc je l'ai vendu pour faire mon Hyrex, parce que je veux
je veux quand même un autre. Je le ferai pas se fusionner tout de suite au niveau 20. Je vais avoir deux niveau 10 que ça va largement suffire pour faire quelques combats. Pour plus vite. Sinon, s'il y a de quoi de futurement, ça prend un dinosaure plus fort. J'y fusionnerai mes deux niveau 10 IREX pour faire un niveau 20. Donc, ça va être cool pour faire lui un niveau 20. Mais pour le moment, ça va être 2-10. Comme ça, j'aurai plus de dinosaures dans mon équipe à choisir. Là, on ramasse tout l'argent inutilement, blablabla. Ben, inutilement. Bref, je t'en ai passé pour le tuto de bouffe. Comment on va s'y prendre? Parce que je vois beaucoup de monde m'écrire. Surtout pas sur mes récentes vidéos, sur mes anciennes vidéos. Comment tu t'arrives de bouffe? Comment tu fais ci? Comment de ça? Bref, je vais sûrement vous l'expliquer bientôt. C'est simple. Qu'est-ce que je veux juste dire vite une affaire. C'est que vous faites, pour ceux qui sont bas niveau. Non, pas ça. Dans le marché, dans les bâtiments. Vous regardez le bâtiment qui fait de l'argent le plus. C'est lui qui coûte le moins cher ou ceux que vous avez gratuits. Qui rapporte le plus en... On va mettre des bâtiments en argent, ok. Tu sais ce que c'est, un cinéma 1900 aux heures, pas 3 heures. Regardez là. Ben moi, je vous conseille faire soit des générateurs électriques si vous pouvez le faire, ou si vous êtes plus bas niveau, ou une demi-heure. Mais je vous dis tout de suite, si c'est aux demi-heure, vous jouez beaucoup aux 30 minutes. Fait que vous connectez à chaque 30 minutes, vous recotez tout votre argent, vous faites d'autres choses, vous revenez sur votre téléphone ou sur votre tablette, vous récoltez vos pièces. Donc vous en faites genre plein. Là, vous faites une petite usine dans le coin, comme moi, une usine des panneaux solaires, qui rapporte peu, mais moi, aux 4 heures, je le récolte tout le temps. Donc pour moi, c'est rentable. Et voilà pourquoi j'ai 13 millions de bouffe et 47 000 go. Mais c'est un truc comme ça. Mais ça va changer plus tard. Je vais trouver quelque chose de plus rentable. Faut juste que je monte de niveau. Et il faut que je regarde aussi dans les bâtiments qui est plus payant après. Ça, c'est 1980 aux 3 heures. Puis les panneaux solaires, c'est 2400. Ça, c'est presque plus rentable. Bientôt, je vais toutes les vendre. Je vais trouver de quoi plus rentable. Faut que je trouve de quoi aux 4 heures qui est rentable. Ça, 1900, 3 heures, c'est pas plus. Donc, je sais pas qu'est-ce qui arrive ici. J'ai bien hâte de voir. Niveau 48, 51, 53, 56 et 60. Peut-être qu'il va y avoir un nouveau bâtiment aussi parce qu'il y a peut-être le niveau 65. Je sais pas. Bref, c'est pas mal ça pour aujourd'hui. De toute façon. Si je réussis le paquet, le rested en mode ligue des prédateurs, je vais prendre le screenshot, le paquet que j'ai eu, dans le fond, pour dire qu'est-ce que j'ai eu aux prochaines vidéos. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, une suggestion, de liker, de vous abonner si c'est gratuit. N'hésitez pas aussi, n'oubliez pas aller Facebook, Twitter et tout ça sur mes réseaux sociaux pour avoir plus de nouvelles et dernières mises à jour. Des fois je poste des photos, qu'est-ce qui arrive ou qu'est-ce que j'ai gagné, voilà qu'est-ce que j'ai eu. Si vous postez prenez une screenshot de votre pack, envoyez-moi les. C'est toujours plaisir de vous de dire si votre pack est magnifique. C'est super cool de partager entre joueurs, les parcs et tout ça, il y a du monde qui l'ont déjà fait. Bref, c'est ça. Donc, c'était MixPebond et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde.